Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec nous TV. Madame, Monsieur, bienvenue à une autre édition de Point de vue et pour euh, cette édition-ci, il nous fait un grand plaisir de l'accueillir, après un an au pouvoir, <laughs> le maire de saint Edward Je vous le présente tout de suite, M. Robert Bilodeau. M. Bilodeau, bienvenue chez nous encore une fois. Merci M. Sénard, c'est un plaisir d'être avec vous. Puis, FD... euh, le... Malgré que j'étais pas là pour le pouvoir. <rire> <rire> Je dis après un an au pouvoir. En tout cas, c'est oh, oui, oui. à la fa... tête, à la tête de la municipalité. <laughs> c'est une, une euh... façon de s'exprimer. Ouais, euh, après un an, comment on... est-ce qu'on aime encore ça Ben oui, puis c'est un mandat de quatre ans quand on ouais. on, est, on est maire d'une municipalité ou conseiller ou conseillère. Puis, euh, plus ça va plus je commence à davantage à apprécier euh, ce cheminement là on va dire mais euh, ça c'était quand même une année la première année où il fallait euh, un peu une année de transition on apprend le travail hein? un, un nouveau conseil ouais. euh, nous autres il y avait deux il y a deux conseillers qui étaient qui sont restés euh, encore en place par contre là il y on a de la nouveau. jeunesse des, des jeunes ouais, c'est bien pas beaucoup d'expérience, on va dire, dans des conseils d'administration. Mais il y a de la, mais la là, Ça prend ouais, vie, ça, ça. Ça, on commence à s'approprier des dossiers, puis euh, on s'adapte euh, au milieu municipal. Là. On sait que c'est plus long, donc faut, on est on empressé, est anxieux là, quand <laughs> on est nouveau. On voudrait oui. que ah. tout se réalise là, rapidement, mais il euh, faut prendre le temps. Puis, Embarquer justement dans, dans, dans cette formule-là de, de prendre le temps, de respecter mmh. les procédures municipales là, au niveau des règles et des politiques à mettre en place. Ils si sont pas un peu de recul parce que vous avez quand même un bon vécu hein, au, au niveau professionnel et tout. Il n'y a pas eu des moments de dire oh, qu « qu'est-ce qu que je viens de faire là? <laughs> » Parce que vous aviez quand même une belle disposition position à Iberville. Là, ben... Les moments sont courts. <laughs> Ma conjointe me, me remet sur le bon chemin rapidement. Ouais, on ouais. Va dire. Ben, des fois, c'est un peu. Euh, des journées, je dirais, dans d'autres domaines aussi. Euh, des fois, il y a des découragements. Oui, c'est certain. Vous savez, on, à venir, quand je regarde la première année, on, on éteint des feux beaucoup. Là. On travaille pas beaucoup sur des gros dossiers. Euh, euh, de réalisation au développement malgré que ça va venir bientôt là mais mm -hmm. c'est là des fois où euh, on, faut faut se motiver s'encourager puis dire bon ben euh... Ce qu'on n'a pas compris ou euh, ce qu'on aurait dû comprendre, là, mais il faut prendre le temps. Puis moi, je me tourne sur. On est habitué avec l'entreprise qu'on avait de se tourner, on on dit l'expression. Sur un, un indicine, Même, on y allait avec un 10 <laughs> chez nous à l'auberge. C'était plus petit. <laughs> C'était plus petit encore, mais euh, c'est ça, ça nous permet de, 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 de passer puis de dire bon, il ben, faut regarder en avant. Il faut regarder en ouais. avant, puis on dit que euh, ça va se placer. Parce que le travail est complètement différent. Hein? Est-ce qu'on s'attendait à ça un peu ou. Ouais, ben, <laughs> oui, je m'attendais à ça parce que être à la tête d'une municipalité, c'est d'être aussi, euh, c'est un peu comme un conseil d'administration. Peu tout importe ça. la grosseur de la municipalité. C là, c est, c est une... euh... Oui, effectivement, oui. nous, à saint edouard même si on est à 877 environ là, de population, euh, le fait d'avoir peu de ressources m'amène euh, comme mère à être là plus présent, m'impliquer, puis euh, ouais. de surveiller, de me rapprocher davantage, être euh, le complice du, de la direction générale, puis de travailler ensemble. On est plus, euh, je dirais, là, euh, on ne s'y pas sur les autres, on est là. Une petite municipalité, c'est tout côté arrive. Donc, pour les, les citoyens les citoyennes citoyennes, ils viennent là. Ah, le maire est là, on va aller le voir, on va lui poser des questions. Mmh, mmh. C'est tu sais, plus facile d'accès, là, parce que comme j'étais originaire de là, parti pendant 20 ans, revenu, là, là, là ils me reconnaissent rapidement. <laughs> on se fait euh, sur la rue, à tous les jours. Chez Maxi, chez IGA, chez Okanazan Tower, Rona, partout. Euh, à chaque fois que je sors, que je vais à l'extérieur, même à Saint-Félicien, euh, ah, oui? j'étais là jeudi passé, euh, puis on se fait reconnaître, on se fait taper sur l'épaule. Euh... Est-ce est que vous êtes à temps plein à Saint-Édouard? Non, on n'en pas euh... Non. Il vous n'avez a a pas de ça, budget moi, vous... ou... Non. Parce euh, que le travail, le travail doit être quand même euh, presque à temps plein. C'est je... pas une question de budget, on va dire. Euh, moi, si ça serait plus que ça, je ne suis pas certain que j'aurais accepté d'être à la mairie, d'être okay. à temps plein. Euh, avec les années qui passent vite, le temps qu'on a mis beaucoup à travailler, euh, moi et ma conjointe, donc là, euh, j'ai plus besoin d'avoir un certain moment de libre. Il reste qu'à la mairie, à... C'est pas tout à fait le salaire, mais c'est une question de temps. Puis je vois pas un maire à plein temps à Saint-Edouard ah non. non plus, non. Écoutez, ben, a... Malgré qu'il y aurait du travail pour. Il y aurait du travail peut-être pour, mais non. Euh, il y a déjà des ressources en place, même si on, on pense prochainement, qu'on à... a besoin de nouvelles ressources. Mm -hmm. Mais ça serait. Euh, non, moi, je n'irai pas à temps plein d'une mairie, là, peu importe à la ville ou à autre. Là. J faut je pense aux années qui restent à faire. Ouais. Il y a aussi, euh, oui, à la mairie, mais il y a à la MRC que ça demande du temps quand même. Effectivement. Euh, ben, le euh, le est, préfet est à temps plein. Le préfet est à temps plein. Il y a beaucoup de dossiers à la, à la MRC. C'est très intéressant. Puis, euh, on a des bonnes lectures. Là, là on, on a une réunion demain. C'est des dossiers très, très larges. C'est les neuf municipalités. Ouais. On a un grand territoire. Donc, il y a beaucoup de matière à l'intérieur de ça. Puis, euh, on, est, on est demandé à s'impliquer hein. à la MRC. Moi, j'ai cinq ou six euh, comités là, qui... Qui, euh, que, que qui je dois assister. Là, ouais. puis, euh, ouais. puis ça, ça demande pas mal, là, les comités. Ah, okay. oui, pas mal. Je suis rendu président de, de l'agence euh, de la mise en valeur des forêts privées. Euh, je suis au niveau touristique, je suis au niveau de la sécurité publique. Oui, euh, touristique. Parce VHR, euh, là j'en ouais. passe. Hey. Euh, climat, climat, <laughs> le changement climatique, la table régionale. Donc, ça c'est des dossiers des si regarde, importants. Ouais. Si on regarde au niveau de votre municipalité, euh, on apprenait dernièrement justement que le, le le, 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 démographiquement parlant, vous avez une petite augmentation, même si c'est pas beaucoup, mais vous n'avez pas perdu de, 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 euh, de population. Effectivement, euh, vous savez, euh, on gère la décroissance présentement. On a quand même cette ouais. crainte-là. Ça, c'était un de vos objectifs lorsque vous, vous êtes président. Oui, hein? exactement. Moi, euh, je sais que chez nous, euh, on veut attirer des gens à Saint-Edouard, ouais. malgré qu'on a encore des contraintes là, au niveau des, 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 des espaces de terrain maintenant qui sont... Non seulement en zone agricole, maintenant c'est zones humides, ça, ça crée un peu ouais. euh, de, de contraintes, là, mais il euh, y, y a quand même un milieu, la vie communautaire là, qui, qui est présente. Puis on veut alimenter justement dans, dans nos objectifs euh, à court terme parce qu'on a tenu un lac à l'épaule euh, dernièrement euh, en septembre, fin de septembre. Mm -hmm. Et puis là, on a sorti des enjeux importants, des objectifs, et puis euh, faut euh, se rapprocher de notre vie communautaire, les impliquer davantage voir aussi au développement de terrains résidentiels, attirer ouais. des gens. Il y aura une stratégie, un plan, un plan stratégique à, à mettre en place. On s'est fait accompagner par une firme de consultants ah ouais? spécialistes dans le domaine. Et puis, on a fait un bel exercice, une belle analyse, un diagnostic organisationnel. Puis dans quoi on s'envoie, dans, quel, dans quelle voie on s'enligne pour euh, les attirer deux trois un, prochaines années, ouais, d'ici la fin du mandat? Je pense que ça va être intéressant d'avoir ouais. ça sur le coin de la table, ce rapport-là qui va nous arriver bientôt. Ben, viendront hum. nous en parler lorsqu'il sortira. Ben, ça va être intéressant. Ah, Il y a des points intéressant, intéressants. Ouais. Puis on veut, on veut que les gens, euh, par, par le bien justement des, des entrevues comme on fait là, les gens euh, s'impliquent davantage et qu'ils soient à l'affût de, de ce dossier-là. Parce on que vous travaillez. Oui, parce que vous avez une belle qualité de vie à Saint-Edouard. Ben oui, on a des espaces. Tout près de la on nature a, et euh, tout. Euh... Les services de proximité, c'est important pour Saint-Edouard parce qu'on va dire euh, vraiment, c'est 12-15 minutes, on est, on est rendu à rené <laughs> ouais. Après, euh, on a beaucoup d'espace euh, la chasse, la villégiature, la pêche, euh, les loisirs d'hiver comme euh, l'été. Vous avez une belle on a une belle patinoire, je l'ai essayé hier soir, je, je vous invite à venir, à venir lancer quelques rondelles ou à faire un peu de ben ouais. patinage artistique, monsieur Simon. Yeah, ben, ben, je ne sais pas si, je, si la forme tiendrait, mais je retiens l'invitation. Vous aviez euh, les courses à chiens? Là, hachées, il, y il, y il y a quelques ans. années, ouais. vous n'avez pas vraiment de festival ou de. Il y a le euh... festival chasse-pêche qui est ouais. organisé à l'automne. Ah, oui. Vous savez, la pandémie là, a mis un frein sur Ça faire ouais, Chez nous, on n'a pas une quantité énorme, mais il a le festival chasse-pêche qui est l'été, la pêche, la chasse dernièrement, là, il y a eu 220 personnes, je ah, pense, qui ont assisté oui. à cette soirée-là. Moi, c'était la première fois que j'assistais. J'ai été impressionné là, de la qualité de l'événement, de l'organisation euh, des bénévoles qui ont travaillé à la préparation de cette soirée-là. C'était bien. Pour sachez, euh, il y a quelqu'un qui euh, nous a lancé une invitation. Euh, c'est gros, c'est une grosse organisation, mais. C'est là où il faut, faut, faut que les gens s'impliquent, les bénévoles. Ouais. Ça ne s'organise pas à juste un ou deux. En claquant des doigts, non, non, c'est ça. Ça pis prend l'implication faut... des gens. Il faut se mobiliser dans les milieux comme chez nous, puis on a un travail à faire à ce niveau-là. Effectivement. Niveau Le cellulaire... <laughs> Est-ce que ça rentre bien? cette euh... téléphonie cellulaire, j'ai jamais lâché. D'ailleurs, on a eu. J'ai été, j été euh, accompagné là, euh, par euh, Alexis Brunel-Ducep, notre député ouais. euh, au fédéral, qui, euh, qui m'a demandé de faire un petit travail là-dessus. Euh, j'ai travaillé là-dessus. Ensuite, euh, j'étais euh, au Congrès de la Fédération québécoise des municipalités en septembre. Et là, on a vu que le premier ministre, on l'a entendu, il, il a parlé à la, la rencontre là, mmh. du Congrès. Mais ça se discutait entre le, dans, dans les ateliers aussi. Parce que ça prendrait quoi? Ça, ça prendrait une un tour? C'était un engagement du gouvernement provincial ouais. pour les, dans son prochain mandat. Donc là, euh, moi, je lève le pied, mais j'écoute, puis je vais être attentif. Mais... Là, il y a un an de mandat de fait. À peu près? Oui. Bon, on va laisser la chance ah! aux coureurs, comme ça l'a été pour Internet, là, dans, ouais. tout, dans ah, toutes allez, les maisons mais... maintenant. Là, faudra, je vais être patient, mais je ne lâche pas le morceau quand Effectivement. même. Il faut, faut que ça évolue à ce niveau-là, c'est essentiel. Il y a un autre morceau que vous ne voulez pas lâcher, je pense, c'est le Carrefour Giratoire dans le secteur du, de Gilbertec. Et Pourquoi? Si la, la sortie de la route de Saint-Édouard est importante. Moi, je l'ai apportée... Parce que c'est problématique, ça? Ce avec toute l'histoire de la discussion de la Côte-du-Cran, ouais. puis depuis euh, que euh, je suis à Saint-Édouard, j'ai des commentaires, beaucoup, des, des gens qui empruntent cette route-là, l'intersection à la, à la 169, qui est à risque énormément. Donc, avec la MRC, on a, fait la, on a invité justement le ministère des Transports à les sensibiliser là-dessus, de la côte du cran jusqu'à l'entrée de la ville de robert -Val. Puis moi, ben, l'intersection avec tous les commentaires que j'ai eus. Puis il faut passer là pour comprendre la problématique et le risque qui est, qui est présent par rapport à, à la sortie. C'est très difficile. T'as pas vrai fourche-giratoire? On a, on a suggéré un carrefour giratoire. Le ministère des Transports nous a dit qu'il allait euh, faire une étude d'opportunité. Oh. Euh, il s'est engagé à ça. Le ministère quand, du ah, Transport, attends. quand il fait des études. Faut être cas, dans, yeah. Comme dans tous les ministères, apparemment, là, on, oui. on commence à connaître la chanson. Cependant, euh, mais il faut respecter ça. Cependant, euh, c'est des, des bonnes nouvelles que qui, le ministère des Transports nous a dit c'est qu'en attendant qu'il qu y ait une réalisation du carrefour giratoire, c'est qu'il installerait une lumière, un feu de circulation. Ah. On ne peut pas dire être con, on peut pas <laughs> être contre ça. Mais on sait ce que ça va amener. Euh, une halte là pour le trafic qui, qui est de 12 ah, à ouais, 10 à 12 ouais. 000 voitures par jour. Euh, Qu'est-ce que ça va faire? Mais pourquoi pas y aller immédiatement avec un carrefour gératoire qui fait ouais. euh, ailleurs? D'ailleurs, on voit à Metabolchouan, ça n'a pas pris de temps. Là. Déjà là, c'est mmh, mmh. une annonce qui a été faite euh, suite à un accident qu'il y a eu l'été, je crois, sans ouais. être ici. Euh, moi, euh, je vais insister pour qu'on l'aille aussi plus rapidement, mais nécessairement, euh, on aura besoin de notre députée, Mme Guignard, pour mettre de la pression, puis de, de, de s'approprier ce dossier-là pour les citoyens qui, et puis tous ceux qui circulent. C'est déjà terminé. Hein, ça va très vite, hein. Mais ai euh... pas à moitié de fait. <laughs> vous allez être obligé de revenir faire votre petit tour. Puis mais... nous, en attendant, on va laisser votre, votre patinoire. <laughs> ça serait le fun. Voilà, mesdames, messieurs, qui termine cette édition de Point de vue. Au revoir. Et à la prochaine. Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec nos TV.